Désir Venesse et se mette en nous yo à travers une petite vidéo que la police présente sous page officielle li. Yo montre que comment agent SWAT UTAC a mené des opérations dans diverses localités, dans divers coins, dans divers côtés en dedans commune Gressier. Ça veut dire que la police, malgré tout ça qu'on est dernier temps ça qu'elle a enduré, mais ça montre à clair que yo pas campé dans quatre opérations qui a mené dans commune Gressier. Mais en plus monde a dit, il y a tant que c'est pas seulement dans la commune Gressier, mais qui est en plus l'autre côté encore dans le pays, que la population haïtienne attend et a besoin que la police mène l'opération, il a besoin que la police libère l'espace ça. En tout cas, parole a dit que, et quand même, faut qu'on commence, est-ce que c'est le commencement que nous est là par rapport avec ce qui a passé là, yo? Désir Venesse, c'est que je dis, moun yo attend que c'est dans, faut grand sud à débloquer, faut grand noir débloquer, et faut que la vie reprenne normalement dans divers côtés en notre pays que bandi écrasé. Dans combien de temps encore que les séries de zones que bandi contrôler que la vie reprenne normalement et qu'il est tout déplacé forcé yo qui yo même jeudi a trouvé yo en dedans ou ensemble de école en dedans ou ensemble d'espace qui est que déplacé forcé ça yo a retourné la caillou Désir Venesse. La situation de l'État haïtien a été annoncée ensemble de mesures pour accompagner les parents qui sont plus vulnérables dans la question de rentrée d'école. Tant que ça fait pour journée 1er octobre 2024, là, tout partout à travers le pays, si mon yon prend direction, soit l'église pour y aller dans la messe consacrement, qui pratiquement est consacré comme messe action de grâce, qui a béni année scolaire, eh bien, il était fait dans tout le département pays, dans le département de la Tibonite, qui nous connaît, situation très difficile, il n'a pas raté l'occasion, eh bien, et directeur départemental, Fitzner Aurélien, qui prend toute disposition et fait quoi que vous pas rater l'occasion pour accompagner élèves dans l'entrée de classe qui annoncé à l'institution. Pendant le gouvernement haïtien a annoncé yon série mesures pour capable aider et pour année scolaire l'institution, mais jusqu'à présent et ensemble aide qui ont été pour mettre pour arriver jeune parents yo pour arriver ça permet de quelques zones qui pas vraiment ouais et question rentrer l'école là mais ça pas empêcher quelques monde qui arrangé quand même qui permettent que timoun yo aller recevoir pain de l'instruction. Moi même avec Oblaise nous que pour devoir non aider non promouvoir question l'école en dans pays parce que une grande responsabilité là nous pas là faut que monde qui pour venir remplacer nous en travail et qui n'a fait qui a servi communauté question grand goût dans pays de situation li vinn pratiquement et une situation qui dépassé par les événements. Songez des bons moments, il a parlé des questions de Glocks, mais fois ça, on a posé cette question, qui niveau que Grand Boussaï? Selon PAM, il a fait quoi gagner 7,4 millions et haïtiens qui pratiquement trouvent dans Grand Bou chaque jour. Il a essayé d'entendre regarder sous des mounes, eh bien, on a vu un monde qui a pas plein en bas Grand Bou. Atroce, on est dans le pays, pour la situation a vu très difficile dans le pays d'Haïti selon le programme et alimentaire mondial qui gagne comme sigle. PAM, l'institution, elle c'est une organisation non gouvernementale qui en est dans le pays depuis un bon bout de temps, qui a baillé support dans l'école, qui a baillé support dans le quartier populaire, surtout dans ça qui vient pour avec un problème grand groupe qui gagne en est dans le pays, l'institution. Coordonnateur, organisation sociopolitique, Jean-Tombé, nous voulons parler de Leslie, et qui baille gouvernement jusqu'à 13 octobre pour y opposer action. Qui montrait que il y a une insécurité en dedans pays à part de ça il y a pris l'autre position quand pile monde déjà posé cette question pour qui ça dans moment vacances ensemble regroupement des partis politiques yo pas jamais fait mouvement. Est-ce que c'est avec l'école qui a un problème? C'est pas dans l'école là annoncé qui a arrangé pour faire des mouvements politiques qui pour aller tout simplement pour perturber et jouer l'école si mon pour causer des situations très difficiles blessé personne. Premier ministre Dr Gary Conny c'est pratiquement dans les passages blessé personne. Et où doit qu'on est chef diplomatie haïtienne, li convoqué par conseil présidentiel transition dans villa d'accueil où y a Dandil. Là m'a parlé de madame Dominique Dupuis Blaise-Peterson, ministre affaires étrangères ak kilt en dedans pays d'Haïti. Madame Dominique Dupuis li convoqué dans une réunion dans villa d'accueil mercredi 2 octobre kap vin la dans 11h du matin. Li pral obligé expliquer malentendu yo te gagné par rapport à agenda délégation et agenda et haïtien qui était dû à participer dans 79e Assemblée générale Nations Unies. Dominique Dupuis obligé porter copie correspondance qu'elle t'a gagné et par rapport avec demande pour te rencontrer pour rencontre bilatérale qui t'a faite côté le demande soit pour KPTA ou bien pour Premier ministre Dr Gary Conny qui permet en pile parler en pile. Songez que Leslie Voltaire était déjà pris position. Il était annoncé sa présentation. Il était dit qu'il y a tête qui va le couper après rencontre bilatérale qui était faite entre Lula da Silva avec le Premier ministre Dr Gary Conny. Edgar Leblanc-Fils trouvé dans Okaï, parce que c'est dans le grand site pays
et lancement officiel, grand lancement officiel l'État fait pour question réouverture des classes, en pile promesse qui est faite avec parents, professeurs et syndicats, syndicalistes qui pratiquement toujours gagnent revendication malgré année scolaire passée soit année scolaire, satisfaction par exemple, vivre les personnes, et bien gouvernement fait quoi? Qu'il y a travail pour continuer aider et continuer pour porter support dans ça qui est pour permettre que l'année scolaire soit capable, une année scolaire et qui est efficace. Et on aller soit dans le budget, on montrer que sur l'éducation, on garde le plus haut niveau comme chiffre dans le budget et pour l'année fiscale, c'est là, les personnes, les amis, internautes qui m'enchaînent tout partout à travers le monde. Gros question à poser sous dossier corruption, ILCC gagne la menée enquête sous dossier ça, sous trois conseils présidentiels, et bien qui ça pourrait tomber 7 octobre 4 vini là. Est-ce que question présidence sous notre l'a toujours respecté? Ensemble, question ça. Nous pourrons le questionner, nous pourrons l'analyser, nous pourrons le commenter, nous pourrons l'analyser, bien sûr. Et déjà, tiens vraiment dans la question KPT gouvernement Konilan, d'après ça que nous avons cité, et confrère nous Gary Pierre-Paul Charles, monsieur dit clairement que. Non, séance de travail qui te gagné entre KPT, ensemble de conseillers, yo clair, on est conseiller lui Gérald Gilles, monsieur Claire Désir, monsieur Mandé, révocation lui et Gary Koni. Désir là? Y'a blessé, blabla. Et, main contrôle, bravo. Et oui, j'aime dire Désir, gagné pour me répéter Gary Pierre-Paul Charles. Monsieur dit, dans une séance de travail qui te gagne entre conseiller présidentiel yo. On est avec lui Gérald Gilles, monsieur Mandé coupé tête Gary Koni. Ça veut dire là gain un n'a dit qui ça là. Mais tête lui Gérald Gilles pour le couper tout blesse. Ah mon cher, c'est pas même qu'a couper, c'est si le couper, c'est qu'a couper là avec monsieur. C'est pas même ILCC, c'est groupe minoritaire dans accord 21 décembre. Que le mandat est pour lui dans le conseil présidentiel là, qui mandait pour y retirer et docteur Gérald Gilles, parce que vous estimez, non, dans le scandale là, attaquer intégrité, à quoi que vous gagnez ensemble là? Oui, mais Kounia, bon, encore plus toujours, m'a dit que c'est lui Gérald Gilles tout le même qui était là dans tout. C'est lui Gérald Gilles qui, si les coupé, qui a fait les coupé. Parce que c'est lui même qui non le cité comme premier élément dans la question scandale 100 millions de BNC. Hein. Ça le clair. Et le bagage encore des Ibenes, c'est que Dominique Dupuy, il y a des bagailles. Conseil de besoin compétent Dominique Dupuy. Et ambassade d'Haïti, en Washington, non? Mais vous avez posé peut-être une question. Est-ce que chaque gouvernement qui a passé dans le pays a un problème avec monde qui est formé, qui est éduqué, avec monde qui est compétent? Bon, ça n'a pas posé une question, mais vous avez ça va regarder là, tout ce question. Ça me dit, quel que soit le capital de gouvernement, ça veut dire là, je dis, hein, Est-ce que après que les bagages payent tout, c'est là et la question de Chita, oui, Désir. Quel que soit le gouvernement, le KPT, est-ce qu'il a réglé les pays? C'est une plus bagage. Sans doute, mon prérogatif, c'est réglé à faire pays, c'est pas à faire personnel. Si tu as réglé à faire personnel, tu as prêté dans la famille. Et ça, le dadoui, qui a prérogatif, c'est exactement rendre payant vivable, rendre permettre que mon capable fonctionner, c'est ça le dadoui. Mais l'organe des réalités, hein, le regard des situations, ou est-ce contraire? C'est vraiment contraire de sa cap zio avec sa cap fait comme réalité. Mais quand je dis à Désir, ça nous dit, son réalité, est-ce que bataille ça, qui, alors, qui film ça commencé entre KPT et monsieur gouvernement, Koni comme PM, ministre Dominique Dupuy, ministre des Affaires étrangères, et Andy, ambassadeur Haïti dans l'ONU, Antonio Rodrigue, comment film ça va le finir? Et qui est-ce qui a gagné film ça? Qui est-ce qui a rapporté la mayole? Et je veux dire, nous ça, tout ça qui a fait là, il faut garder pour nous, est-ce que intérêt Haïti la donne? Tout ça qui a fait là, garder pour nous, est-ce que Haïti la donne? Est-ce que souffrance qui pima de la donne? Ça est vraiment important pour nous connaître. Mais Désir, nous allons venir avec ça, puisque gagner Popol a joué la police, non? Qui c'est Lionel Lazare. Monsieur, qui a côté la presse, je n'ai quitté mardi 1er octobre. Qui ça, monsieur dit? Nous allons venir avec ça, monsieur dit. Hein? Et nous allons parler concernant tout. Arrestation, commissaire police, là, dans tabac. Nous allons venir. Exactement. Pour nous connaître ça qui dit. Et qui ça, la police, comme explication. Et qui ça qui apprend tout en termes de mesi pour année scolaire, année académique 2024-2025.
Bon, c'est pour la police. Est-ce que vous pensez que la police a bien capacité pour garantir sécurité à l'escolaire dans l'ensemble des zones? D'accord? Et dans la région métropolitaine, il y a dit. Ça même, monsieur. Bah, ça même. Il y a 80% qui se contrôle et qui est dans le niveau capital là. Il y a diverses écoles, quelle est l'école privée ou l'école publique, qui gagne des réfugiés, des déplacés là-dedans. Qui ça et le gouvernement pourra le faire pour au moins désengager l'école ça, qui va permettre que Timon a recevoir plein de l'instruction. Blaise, tout autant, moins Timon pourra l'école, c'est plus ou à gagner. Taux de délinquance juvénile là qui a augmenté. C'est pour ça. C'est le gouvernement qui nous a là. Il a dû arranger dans une politique pour permettre beaucoup plus de monde rentrer à l'école pour année ça, malgré la situation difficile qui est là, bien sûr. En nous, il y a une année à ses amis. C'est pour ça. Moi, j'ai un privilège pour me présenter mon leader à ça, le porte-parole adjoint de la station d'Haïti, et c'est lui-même qui est chargé, je dis, à. Pour expliquer nous par loi et par l'âge. Monsieur Lazare, vous avez l'ordre. Conférence de presse, mardi 1er octobre 2024. Disposition police nationale d'Haïti pour entrer année académique 2024-2025. Police nationale d'Haïti rencontrée avec la presse matin, dans l'objectif pour informer la population en général, la presse en particulier, sous ensemble de dispositions. PNH l'a adopté sur tout le territoire national là, dans l'occasion d'entrer l'école là pour l'année 2024-2025. Direction circulation police routière, DCPR, dans le niveau circulation, il y a un renforcement présence policière, surtout dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Dans plusieurs points stratégiques, la population a remarqué policiers DCPR. Non seulement pour faciliter la circulation sur tout axe routier, ça va permettre tout de limiter l'accident, mais tout pour protéger tout le monde qui a circulé sur la voie publique, particulièrement élèves d'école. L'important pour nous faire population, on est que dans 4 mois, il y a plusieurs séances de formation PNH a réalisé dans quelques régions dans le pays, dans le département nord-ouest. Pour chauffer camion, taxi, moto, sous principe conduit et puis comportement, il doit gagner dans la période de l'école là, surtout dans les stratégies avant l'école rentrée, après l'école là terminée. Police communautaire et du vol. Dans quatre mariages, police population, ça nous le MPA, que le directeur général de la police là, M. Lorville Ramon, initié depuis les privés dans la tête de la police là, police communautaire éducative et du vol, il y a un rôle important de jouer dans rapprocher chaque jour plus police là, qui la population. C'est ça qui fait police communautaire éducative et du vol mobiliser pour accompagner et puis assurer sécurité parents, élèves, professeurs. Dans le cadre d'accompagnement, ça, et du vol a bien agent, car c'est pas bon. Il y a des policiers qui déploient sur le motocyclette avant l'école de l'entrée. N'a pas remarqué après l'école de fin d'entrée, travail et du vol. Ça nous met les policiers communautaires là, il va camper. Il y a pas de actionné la rue. Bon, l'école a dans l'idée pour cibler, si pas un élève qui a profité du moment de l'école là, avec uniforme sur nous, pour aller faire activité de délinquance. Pendant que je en tout, et du pour réaliser séance sensibilisation en lumière de l'école avec élèves sous diverses thématiques dans l'éducation civique, sensibiliser jeunes sur le rôle et l'implication qu'ils ont joué dans la communauté. Dans le temps de journée, et du pour toujours été mobilisé pour garantir la sécurité des élèves, parents, professeurs, dans l'idée de faciliter le chemin de la carrière. Nous connaissons bien les affaires de sécurité, pas seulement qui pourrait avec la police. C'est ça qui fait, dans le plus haut niveau de l'État, l'autorité ou prend bon genre de disposition pour permettre d'entrer dans l'école d'arrivée possible à l'ISA. Qui donc, samedi 28 septembre 2024, il y a une grosse rencontre qui était organisée dans le cadre du ministère de l'Éducation nationale, qui était réuni, ministre de Justice et de Sécurité publique là. Ministre de l'Éducation nationale là, ministre de la République là, inspecteur général en chef PNH là, directeur central police judiciaire là, directeur central police administratif là,
directeur départemental de l'Ouest 1 à l'Ouest 2, représentant différentes unités spécialisées dans la police. Dans l'entente, il y a plusieurs mesures qui ont adopté, côté chaque entité, côté PAYO, pour un engagement pour jouer partie sur PAYO. Le ministère de la République a gagné ou fait intervention dans l'aménagement quelques tronçons route à assainissement. Le ministère de l'Éducation nationale met l'accent sur la relocalisation certains établissements scolaires. PNH là, a prêté tout en branle pour assurer libre circulation tout acteur concerné dans l'affaire de l'école. Mm-hmm. Sous instruction, commandant chef PNH, M. Domi Rameau, il y a un plan stratégique qui est élaboré et qui est adopté, qui implique diverses entités dans PNH, là, une façon pour assurer sécurité élèves, parents, professeurs et tout le acteur dans la chaîne éducative. Dans le niveau toute juridiction police, il y a une instruction formelle qui passe avec responsable sur tout territoire national là pour capable prendre toutes dispositions nécessaires dans le cadre de réouverture d'école. Exemple, dans le département de Nîmes, il y a plusieurs patrouilles pour renforcer. Il y a plusieurs points fixes aux alentours de l'école. Dans le département sud-est, département sud, Grand-Anse, Latibonite, à tout l'autre département en dedans pays qui concerne. La Caroudésie. Toujours dans la Caroudésie. C'est le temps de Latibonite. Pour rencontrer et discuter avec responsable établissement et scolaire dans l'idée de prendre connaissance des problèmes internes l'école qu'on fait face surtout dans le niveau sécurité, réfléchir ensemble sous problème yo et puis chercher ensemble éléments sous solution yo. Pendant que la police nationale d'Haïti a travaillé pour préparatif l'entrée l'école là, faut qu'on dit tout bataille contre grand banditisme là, pas campé. PNH là continue à faire opération avec intervention policière yo dans objectif pour craser toute foyer gang yo tout partout dans pays là pour permettre l'ordre avec la paix capable rétablir dans tout pays. Dans ce sens, la police nationale d'Haïti fait plusieurs arrestations. Dans le département nord, dans la nuit 23 pour le 24 septembre 2024, là, la police mène une opération contre un gang qui a opéré dans la zone Thibault, dans la commune Milo. Il y a 4 individus qui sont mortellement blessés dans le côté coup d'âme avec la police. Parmi eux, il y a un chef gang qui est Macorel et Siponi, qui t'a dirigé l'association criminelle SAR, qui m'a tellement blessé. Gang SAR est spécialisé dans le kidnapping et bien impliqué dans plusieurs actes assassinats dans le plein du Nord, à Cap-Haïtien. La police confisquait un pistolet, un revolver calibre 38, un arme à fabrication artisanale, deux couteaux, plusieurs cartouches différents calibres, il y a 30 individus qui viennent arrestation. N'a souligné, la police mène opération ça dans le cadre d'enquête qui ouvre tout de suite après assassinat directeur départemental office migration dans Cap-Haïtien qui c'est monsieur Augustin et Kerwin dans date 18 septembre 2024. Toujours dans l'ordre, la police dans commune Lévé dans cadre d'opération 28 septembre 2024 là dans une zone qui est le soleil levé côté gain deux présumés bandits qui mortellement blessé dans le cadre d'échange de tir avec Force Lodge, qui c'est Valdano et Morgan et Siponi. La police confisqué des armes et des téléphones portables. Parallèlement, il y a 4 autres individus qui jouent à l'arrestation dans le cadre d'opération que la police menait dans la zone Limbé, qui c'est César Fleury, 21 ans, André Joniel, 33 ans, Pierre Hudson, 18 ans, et Saint-Il, Doubline 28 l'année. Individu Sayo fait partie d'un gang qui relève le police que PNH a cherché activement pour implication dans plusieurs vols à exam commettre dans la commune Limbé. Pour qu'on dit tout, pas longtemps, même gang ça a été volé plus passé 1 million de gourdes à 8 000 dollars américains sur un commerçant
dans la commune. Selon l'information de la police dans l'Indé, disposé, Morgan ainsi connu, c'est le 10e chef gang qui relève le police. Dans le département ça, la police dans le département ça a arrêté Germain Magnon et James Fortuné, qui sont deux évadés de prison pénitentiaire nationale suite à l'attaque gang armée qui fait sous prison dans le mois de mars 2024 qui s'est passé là. Faut qu'on fait remarquer Saint-Germain Magnon est impliqué dans le dossier car ils ont armes l'église épiscopale. Dans le département de la Tibonite, samedi 28 septembre 2024, là, précisément dans Bonaïve, dans le cadre d'une opération, la police menait, il y a James Willy alias John Willy qui est mortellement blessé dans l'échange de football avec la police et puis qui était accompagné de plusieurs acolytes qui était échappé pour lui. N'a pas rappelé que James Freely s'est fait partie d'une association criminelle alliée gang Koukoua Sangas qui était impliqué dans divers actes. Tambou, boulet plusieurs bâtiments, institutions publiques, paquet Gonaïve, la mairie avec un véhicule, la police nationale d'Haïti dans Gonaïve. La police a cherché James Freely suite à un mandat, la justice est émettre contre lui. Après une ordonnance, le cabinet d'instruction de l'instance Gonaïve est sorti, qui a voué un individu à le juger dans l'assise criminelle pour sa capacité pour mettre. Dans le département du sud du pays, précisément dans Saint-Jean du Sud, la police procédait à l'arrestation de Gervais Massin, qui est chef d'un qui est l'armée Timanchet, qui a opéré dans la localité qui est Vilbi, dans Saint-Jean du Sud. La police rivée mette mes sous, tout sous chef gang ça, c'est grâce à la collaboration, mariage, police, population. Dans la commune Bressé, plusieurs agents dans l'unité d'élite qui se soit, qui sont dans la police là, tapis basé dans Bressé depuis quelques temps. Ils menaient opération pour capable de traquer et mettre en bas de bandits qui empêchaient les membres de la population de fonctionner dans l'activité. Pendant l'opération avec intervention policière, qui poursuivent dans la commune Bressée, agents soient sur casé diverses barricades à pièges malfois ont été pour être capable d'empêcher la police progresser. Mettez sous ça, voyant policiers nous fait pénétration dans plusieurs cailles pour bandits qui ont été utilisés comme cachet pour commettre des actes criminels. Agents l'audio qui jouent un support citoyen en zone Bressée, dans quatre mariages. Police population qui directeur général de la police a terminé ensemble avec lui, commencé par un bon genre résultat et puis créer l'espoir, la caille, mon policier. Dans la juridiction d'Elma, la police, dans la juridiction d'Elma, a arrêté dans la date 19 septembre 2024 qui se passe là, Johnson Antoine dans la zone Gérald Bataille, individu ça, c'est membre actif dans le criminel 400 Marozo qui a opéré dans le Quadébouquet. Dans la juridiction tabac, vendredi 13 septembre 2024, direction centrale police judiciaire, DCPJ, à travers section homicide, interpellé commissaire principal, Benson Gauthier, qui était responsable juridiction tabac. Il a arrêté tout, inspecteur principal, Jean-Claude Aimé, quatre travaillent tout dans la même juridiction, ça, dans le commissariat tabac, avec des lots civils, qui c'est Robertson Antoine et Jean Rousseler. Quatre interpellations ça a fait dans quatre enquêtes DCPJ à mener suite à l'exécution citoyen Hubert Polo, qui c'est un citoyen qui en même temps est un chauffeur taxi. Scène criminelle est déroulée dans le tabac 41, zone ambassade américaine. Jeudi qui était 5 septembre 2024. Après plein qui était porté, mettez sous témoignage en pile monde qui était dans zone là, et bien il témoigné que véhicule service qui affecté avec commissaire Livenson Gauthier était sous lié scène crime. Selon information qui était des CVJ disposée, il y a un indice surtout relevé téléphonique qui montrait à clair que le commissaire Gauthier était dans le parage là, dans le moment d'exécution victime.
comme responsable juridiction, l'ignorer fait qui passe. Et puis, pas même produit un rapport sous ça, jusqu'à présent, c'est le DCPJ qui est arrivé, saisi de dossier ça. N'a fait qu'on est beaucoup nia, commissaire Vincent Gauthier, ancien responsable juridiction tabac, les placer dans l'isolement. Faut qu'on dit tout, dossier ça, dans un petit temps tout coûte, pour le déférer devant l'autorité, la justice compétente. Dans même sens ça, nous voulons informer la population que l'opération qui a mené dans Badelma, centre-ville, spécialement dans le quartier Bel Air, Solino, Riel Maya, Delma D, a continué. Alors, j'aime que nous, on est objectif de conférence de presse, et c'est sous question rentrée scolaire. Dans ce sens-là, nous promettons la population avec la presse. N'a bien pour nous casser un rendez-vous spécifique sous bilan opération ça. N'a profité fait qu'on est PNH là déjà metté en barcode concubine accès bandit criminel évalué en prison qui est le Kempes Salaman qui se chef gang Bel Air. Pour finir, n'a pas de population rester vigilant et éviter prendre toute forme tractation. PNH là c'est nous et nous c'est PNH. Unité ça c'est vrai symbole mariage police à coopération qui vient aussi MPP qui directeur général de la police monsieur Nomi Rameau a prôné depuis l'élevé dans cette institution. Dans ce sens ça est important pour nous continuer quoi dans force police nous. Désir, monsieur ici a tout de toute intégralité et conférence sur la presse que et Lionel Lazarsol Bailan qui s'est pas pour la de la police non en nous dit nos désirs. Vous avez la bonne cité, mes dispositions pour l'école, opération à mener, tout ça qui sont dit même frère. Vous entendez tout ça qui sont dit compréhension pour. Moi ce que c'est un autre la Tibonite, un autre département qui est le département de la Tibonite. Que la police multiplie les patrouilles dans la question de réouverture des classes. Parce que nous-mêmes, pratiquement, nous avons des jeunes dans 17 communes. Si nous avons des décisions qui prennent des personnes pour accompagner les gens, et sans doute, nous croyons, et dans parler du changement qui nous a gagné pendant la journée, nous avons dit que nous avons des dispositifs qui nous prend. Dans la messe habituelle, traditionnelle qui est habituée à faire, quel est le goût naïf? Quel était dans ville Saint-Marc, il est vrai qu'il y a une présence qu'est Ibmo qui participait dans la mission, mais question patrouille ou si nous pas vraiment ça et jusqu'à présent les directeurs départementaux de la police du département de la Tibonite l'ont déplacé pour quitter le département parce que bon question crise matérielle pour la police capable opérationnelle dans niveau département de la Tibonite. Même pas gagné pour venir essayer démentir et porte-parole la police ou bien la police. Mais nous voulons que y aurait été dans la réalité avec cette situation. Parce que les abdits de parole en l'air, qui semblait 100% avec propagande, les fragiliser la situation de plus. Les permettre beaucoup plus de monde qui a été victime de ça qui gagne comme situation en dedans de zone. Je dis, par exemple, qui dans le département de la Tibonite, dans 17 communes qui dans le département, avec des grandes villes, ils connaissent une situation spéciale, ils ont un comportement spécial. Personnel éducatif, yo, directeur, pour arriver jusqu'à garçon et qui responsable barrière qui dans la cour, gardien, yo connaît que yo une situation qui très difficile, yo connaît qui comportement, mesures de prudence que yo doit appliquer pour empêcher ti moun yo victime. Ces populations jusqu'à présent qui a fait résistance. Si c'est pour la police, majorité institution dans niveau département de la Tibonite, yo pas d'appel exister encore. Parce que directeur départemental là, clair pour le dire, lui-même, il pas gain moyen, il pas ka opérer miracle. Depuis après 6 policiers au fil mouri. Blaise Person, dans janvier 2023. Pratiquement, département de la Tibonite, c'est un département qui est livré. Ou après, que ensemble, décision, c'est dans la République Port-au-Prince. OK? À l'autre bout du pays, c'est là que l'opération a fait. C'est la majorité, force concentrée. Pas vraiment qu'il y a un cap fait. Nous, qui dans le département de l'Ouest, si a vient réagir dans le cadre de l'émission Sablaise, il a dit oui, il y aurait et DCPR a augmenté sous l'arrière. Mais est-ce que DCPR, cap échoué ensemble, attaque cap fait contre élève l'école. Autrefois, passons, j'étais gonti bis, yon agent de CPR avec plusieurs autres, yon te mourir et plusieurs autres te blessé.
Parce que tu as un petit biscuit à privé sur toi, tu as fait action, et puis tu as ouvert coup de zame sur les policiers. Non, mais pas de policiers pour sécuriser chaque école qui est dans le pays à des personnes. Des polices communautaires qui ont parlé. Et dit Paul, vous pensez que ça, vous êtes capable de recevoir force de frappe, criminels qui sont dans le pays si vous décidez de faire des bagarres contre l'école. Moi-même, je pense que assassins criminels, qui peut-être terroristes qui sont dans le pays, ils ont partagé une autre opinion. Si vous-même n'avez pas de chance d'être à l'école pour être connu, qui conduit dans la situation, ça, vous avez petit, vous avez besoin de petit à l'école, tout, il y a bien un autre comportement. Mais tel que la police dit que ils ont multiplié les patrouilles dans le département de la Tibonite, il semblait qu'il y ait un sac à dans la route, parce que, je vous l'ai dit, c'était la première journée, l'école là, ok? Il doit apprendre disposition. Mais quant à le département de la Tibonite, la situation n'est pas vraiment réelle, n'est pas effective. On essaie de regarder. Dans les porte-parole là, adjoint la police et Lionel Lazare, lui parlait de John Prilly alias John Billy, qui normalement mourit dans le marché public Gonaïve. La police dans le département par exemple confirmé. C'est eux qui tuent John Billy. Jusqu'à présent, le monde, c'est civil armé à bon motocyclette qui vit des jeunes garçons sur la tête. De fait, Jean, porte-parole l'a dit, oui, mais c'était affecté avec groupe nous c'est révolutionnaire dans le quartier Raboto, qui nous songeait et qui entendent plusieurs gros batailles et politiques en dedans département, principalement dans la ville de Gonaïve. Bon, pas qu'on est. Parce que nous avons des porte-parole la police a parlé des alliances avec Kokorak sans race, nan boule édifice public, nan et boule machine la police, nan fè yon ensemble exaction dans l'état communautaire. C'est la police, à moins que vous croyez que vous gagnez des bonnes informations dans vous qui permettent que vous avancez avec ça, la situation. Ah, mais là, c'est bon travail. Parce que Lionel Lazare montre que la police a frappé tout partout à travers le pays. Non, il montre que la police a frappé. Non, il montre que la police a frappé. Je pense que ça, c'est correct. Mais quand tu as pour le département de la tribune, tu as moins gagné et contrôle dans ça qui vient pour avec information depuis les mal pensé m'a dit mais non parce que jusqu'à présent moun yo dans commune Lester par contre qui gens que ti moun yo pral faire l'école dans conférence pour la presse que directeur départemental éducation dans la Tibonite Fritzner William Bay li fait cadre commune Lester à commune et Liancourt et lycée plus gros lycée national qui dans Lester li obligé te déménager ou bien déloger pour t'aller mettre l'autre côté. Et quand elle te mette la situation compliquée, faut au moins que tu aies un autre espace pour mettre. Comme il y a un cours après un résultat examen baccalauréat, c'est 0000. Pas de petit monde qui participe, malgré le cours de siège d'examen. OK? Examen pas de cas déroulé là-dedans par rapport avec violence qui vient. Examen de vie à manière fondamentale. Eh bien, 20 élèves qui étaient dans la zone et qui entourent les cours dans quelques localités, qui étaient dans l'école là-dedans, c'était 20 élèves tout simplement. Ils n'ont pas de carité composé dans cette pour ils étaient obligés d'aller Bourrel, qui c'est une localité qui trouvait la commune Verrette, pour ils ont composé. Ça, c'est des situations très graves. Petite rivière de la Tibonite, c'est sous base compromis entre personnel éducatif, parents, pour ajouter plus de scope sous année scolaire là, pour ils ont payé, mais qui des âmes pour l'école capable de fonctionner. Est-ce que nous avons l'autre année scolaire comme ça, dans petite rivière, avec un pile pression? Et jusqu'à présent, pas plus tard qu'hier au soir, les personnes, quand ils continuent à casser, magistrat L.S. Grandpierre, il y en a qui font passer mémorable comme et magistrat sur la Tibonite, n'est-ce pas cassé quand il faut aller, gros journée, après tout ça que tu as dedans, c'est ça qui a fait notre la Tibonite, en minute que je vais parler à quoi. Il y a un coup, c'est gros zèbre qui est dans l'espace là, ensemble dispositif que la police a parlé pour accompagner personnel éducatif yo, pour accompagner parents avec élèves yo, li poko rive dans département la Tibonite et moun dans département la Tibonite vraiment soif li, y a prétendu parce que songez moun dans département de la Tibonite yo pratiquement gain source de revenus yo li sorti dans commerce avec agriculture. Majorité ça pas fonctionné pour plusieurs raisons, soit dans périmètre côté terre qu'on travaille, li occupé par des bandes armées qui fait pression sur yo, qui fait recours quitter, ou bien yo travaille non l'autre côté route pour traverser pour y aller dans marché ya, li est impraticable, li pa ka fréquenter parce que gen exemple qui contrôle l'espace ça. La police a besoin réellement vrai rentrer dans action au lieu c'est chaque conférence, chaque la porte-parole a parlé et puis il vient dire bagaille qui vient rendre que monde puisse douter sur opération que on dit on regarde pour et commissaire Gauthier dans ta barre. Porte-parole a dit que relevé téléphonique qui montré que commissaire là t'es dans espace là côté Zakla la fait là. Bon, c'est une possibilité pour relever téléphonique
dit mais qui côté commissaire a été, mais ensemble relevé téléphonique ça yo, est-ce qu'elle pas possible pour même démarche la faite pour localiser nèg qui a bail problème avec examen dans pays a? Parce que toute nuit, toute journée, nèg yo live on TikTok. Yeah. Tu comprends? Si qui possibilité relevé téléphonique, dit mais qui côté commissaire a été, laisse ça t'a fait là parce qu'elle pas produit rapport jusqu'à présent, lit en isolement et on va transférer le dossier par devant autorité qui compétent dans quatre dossiers. Mais au moins les CPJ ka ba en coup de main. Parce que majorité nèg yo les personnes yo croient dans plateforme réseaux sociaux yo spécialement TikTok où yo fait live chaque soir et c'est pas un green là où vous mettez live tout en ville là et désapprouver l'état. Ah oui, même parce que monsieur veut prendre bagarre la plus au sérieux. La question insécurité qui vient dans pays ou bien instabilité qui vient dans pays, c'est parce que moun ki dans plus haut niveau l'état les routes internes yo ignorer yo minimiser à partir de ça bagarre prend place de chita et qui reste capé c'est ça qui est dans la catégorie qui est dans la situation. Moi, même temps, et pour le presse Lionel Lazala, moi, je tire un peu le bagage de lui par rapport avec ça, monsieur Dio. Bon, oui, il y a toujours des dispositions qui doivent prendre pour que yo capable de permettre que Timounio rentre à l'école en bonne et due forme. OK? Rentre à l'école dans toute façon. Jusque-là, il y a des problèmes. Jusque là m'a essayé comprendre mais n'a pas d'accord tout son l'école qui l'ouvre par contre goutte parce que si mon scabre ça des côtés là si mon ça pas dans l'école si mon ça pas dans causer l'école et des autres montrer là et nous que d'accord que gè ensemble de lycée et l'école nationale qui n'a pas peu de choses jusqu'à présent gè déplacé forcé là-dedans yo jusqu'à présent gè déplacé forcé là-dedans yo l'état pral gouman avè yo hein l'état pral gouman avè yo pour délocaliser ou pour retirer dans espace ça mais bah l'état te dit y a bay comment y a bay gè y a bay 50000 gouttes 60000 gouttes pour aller faire mon petit kay récemment côté galan faire mes kay 50 60000 gouttes la blaise côté kay en dans pays a loué 50 60000 gouttes en même temps attendez ouais modèle l'argent que l'État voulait investir ça au Brésilien. C'est de l'argent qui a tombé dans le trou et sans profondeur. C'est pour arranger. C'est pour arranger, permettre que la sécurité retourne. Moun soit qui quitte la caillou dans divers espaces pour qu'elle retourne. Ou est-ce que l'État dit la baie moun soit au Brésilien? Dans moins que un mois ou bien deux mois, si moun soit retourne la caillou, il y a pas l'État comme ça. Parce que yo pral faire commerce, yo pral faire activité. C'est ça que l'État a besoin de faire. Peuple haïtien pas besoin en pile. Blaise, yo besoin sécurité pour cap vacuer avec activité yo à partir de ça et yo pas besoin connait si l'état existe et y a bail l'état l'argent c'est ça yo qui besoin comprendre c'est pas ça qui veut fait chaque fois qu'on entend des subventions moi même pas qui bon problème comme ça l'entendre et organismes internationaux non gouvernemental a vinn là dans pays c'est pour continuer à venir augmenter la misère dans pays continuer à augmenter la misère et wa pour moun sa yo c'est avec lucidité avec facilité yo produit des rapports sous vulnérabilité, sous la misère qui gagne dans le pays. 220 l'année, des points indépendants. Ou bon paquet, si organisation bidon, qui arrange yo, qui monte des projets pour chercher l'argent, nanon, on grand peuple, tant pour peuple haïtien. Et autorité, ou senti confortable dans ça. Parce que, réouverture des classes là, ou après, ensemble, directeur et départemental, yo senti confortable. Pour yo dire, c'est, et UNICEF, USAID, PAM, c'est yo même qui supporte yo. Inès conseille même qu'à aider dans la reconstruction, dans la réhabilitation de l'école. Je sens confortable dans ça. Mais on parle de niveau d'immigration. L'État fait ça. Et c'est tout l'autre jour là. Et Edgar Leblanc-Fils se dit que ce n'est pas Favec qui a demandé. Il a demandé restitution et réparation. Et nous, l'école, la justice, sécurité, qui est-ce qui patronne? Qui est-ce qui bosse? La communauté internationale, là, l'Occident qui a dit qui c'est le problème dans la situation. Deuxièmement, c'est que l'éclair de sortir là, et ça fait nouvelle bamou. C'est vrai, moi-même, pas fin de toi, mais bon, je comprends que les gens ont réagi par rapport avec tout ça qui s'est imlé rébu. Mais moi, c'est que Tiba et monsieur dit, la femme de foutre des messieurs, qu'est-ce que nous réagissons, qu'est-ce que nous-mêmes qui disons parole? On comprend des yeux. Vous voyez, c'est que nous réagissons, on laisse mon avocat parler, laisse ça nous attendre à comprendre. C'est. Il y a un monde qui vient travailler avec ça. Alors. La réalité va rattraper tout le monde. Parce que pas aucun moyen sur le plan politique pour les États-Unis être capables de réussir. Ça que tu as passé deux ans à PCF avec Ariel,
il n'a pas arrivé à faire une mission de la paix passée dans l'ONU. Il y a une opposition et la Russie et la Chine. C'est peut-être ça fait. Il était une option dans une mission multinationale sous compte les États-Unis sans la participation de l'ONU. Et maintenant qu'on est totalement anachronique, bagaille ou inapiré. Ils ont essayé de faire déploiement, ils n'ont pas marché. Ils ont même reconnaître encore, ils n'ont pas comme financer. Ou bien, ils n'ont pas de financer. Donc, c'était maladroit que Haïti, lui-même, t'a demandé un bagaille, que pas capable d'obtenir des résultats. Donc, dissuasion, belle dissuasion, par exemple. Ou pas capable, en même temps, sur le plan historique, ou pour réclamer, ou pour reprocher la France, saleté fort de la colonisation, d'être fait le gain. Et puis, qu'on a gagné 5 membres dans le Conseil de sécurité, ou vraiment, de même la France, là, pour approuver une mission qui pourrait venir à Kayou. C'est politiquement illogique. Donc, l'air, comme depuis Haïtien, tandis, Haïtien, ça, oui, les cas légers, dans les blancs, ils sont contents. Et puis, ils ont pas, font discours, quand il y a public, on demande public qui fait un discours, deux jours après, ils ont jeté une requête là. Comme vous avez dit, qui est intéressant, par exemple, monsieur pose des problèmes racistes pour les États-Unis, qui effectivement, font pas fait la campagne électorale là. L'obtention de bail ça, c'est ça les arguments de surface. C'est sortant à remettre à une retirer logique pour analyser fond question. Par exemple, fond question, c'est qu'elle demandait pour transformer mission multinationale là en force de l'ONU, en force et de la paix. Ce qui n'a pas été fait, c'est le contraire qui a été fait deux jours après. Ok. Est-ce que vous-même, vous avez, alors, déjà, pas avant ça, là, vous avez parlé de transformation mission multinationale là, en une mission onusienne, c'est qui approche pas ou pas avoir des objectifs. Mais c'est une blague. Depuis le Blinken, depuis l'amener des blagues là-bas, les Américains n'ont pas aucun moyen politique pour être capable de faire ça. Au contraire, pour moi-même, c'est ça, c'est une reconnaissance et un échec. Parce que c'est les États-Unis qui te gourmet pour te faire mission avant ça. Parce que justement, tu as une difficulté pour te faire passer comme une mission de l'ONU. Il faut que même fin déployer, les mêmes qui te dit la finance là. Alors, nous, on est une moitié. Lincoln, une moitié. Parce que c'est, ils n'ont pas voulu dépenser l'argent, les Américains n'ont pas voulu dépenser l'argent pour supporter la mission. Parce que avant, c'est lui-même qui a reconnaître que les pas de bien la mission de la paix, la mettre la mission en lui-même et la financer. C'est après ça, chaque fois qu'il y a devant le Congrès n'a pas voulu accepter le bail. Et c'est menti, il y a des fonds spéciaux dans le CIA, dans le Pentagone, pour financer des missions que les Américains voulaient financer. Par exemple, le Congrès n'a pas d'accord avec le Conseil de Corps qui a voulu en Ukraine, mais il y a eu des milliards quand même pour voir en Ukraine. Donc, si vous voulez aider Haïti, vous avez fait. Donc, les choses qui sont intéressantes, vous avez là. Malheureusement, mon en Haïti n'a pas assez de recul, ou bien vous trop impliqué, ou bien vous totalement désespéré. Vous répétez ça à Blanc, mais depuis le Blinken, vous avez dit ça pas fait. Pas grand cas pour passer dans l'île, comme de fait, il va pas passer. Alors, colonel, mais nous remarquons que le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé le mandat de mission multinationale. C'est la vie de l'Europe. Américain, pas même qui a fait requête là, lui-même. Il a prolongé, il a accepté que mission ça qui là, il n'a pas pris le guide de là. C'est l'homme qui s'en va battre en nous avec elle. Ah, rien du tout. Yeah, depuis plusieurs jours. Et faute là, ce n'est pas bon côté étranger, non? C'est bon côté pas nous. Comment expliquer ça? C'est Gary Conner qui a joué le rôle chef de guerre, non, bah, il va connaître, il va métier. C'est pas professionnel ça. Et puis, il a essayé de faire du bagaille. Mais plus, il a fait vieille politique qui occupait de l'affaire pays. Et moi, pas quoi que je n'ai qu'il a réuni Gary Conner ni CPTA. Je voulais préoccuper de l'affaire sécurité. Non. Non, t'es du qui était, c'est bleu qui était. Là, il a dégagé. Oh, il n'est pas.
problème babla. Nous avons venu sur la question de la Guinée depuis plusieurs jours. Alors, depuis avant le voyage président conseil présidentiel là, pour aller aux États-Unis, pour aller participer à la 79e Assemblée générale Nations unies, fait qu'on est gagné un malaise entre CPTA avec équipe gouvernementale, équipe PM Garigou. Il y a un porte-parole pour Mathieu qui est intervenu, qui dit jusqu'à présent, il y a un plein malaise. Vous comprenez, est-ce que si l'on constate pas, il y a un malaise vrai? Mais bah, c'est pas tripotage, je ne vois pas comment il y a un malaise à quoi. Combien de monde fou, et même équipe, il y a même qualité tête que d'équité beaucoup d'arrière lui. Et qui ouais que Garigoni un petit peu son ambitieux de vrai il a même un pouvoir absolu et puis le grand pile mon fou grave courage même le petit mettre là avec petit monsieur Chapanté pour tout nio et d'avoir courage à rien faire comprendre que pas bien bicéphale et y a cap fait ouais ça parlait petit mettre là vous entendez parler de vous entendez petit mettre là vous entendez petit mettre là et puis petit le cap mettre c'est cap manger tout le c'est Georges Michel Baptiste avec Pascal Adrien élection quand même depuis le bain avec un petit poste dans CPT et y a fini y a élargi HCT et y a chose tout bon pile monde comme ça qui a encouragé au monde qui chef dans la bêtise parce que ouais c'est ça chef là t'as rien le gars il connaît maladie chef et absolu donc tout le bain ouais qu'a fait tu les batteries boutage c'est manœuvre le monsieur maintenant tête il qu'a jeté négro ou bien qu'a neutraliser nèg et puis lui même lui non papa chef donc pour François Duvalier c'est bah tout le monde premièrement nèg monsieur Patrick nous une condition pour aider nous belle premier ministre tout nèg nous belle premier ministre donc il pensait le bon pile sous couyo et puis Kounia l'a fait une série de manœuvres déloyales parce que quoi faire petite manœuvre politique en Haïti c'est pas grave mais que va le mettre en bagage à une initiative cal devant la scène mondiale à le mettre un président sans difficulté, ou non, c'est pas une délégation, c'est deux délégations, deux baïtimoun. Parce que, là, il y a une fête pour le connaître, ça va pas marcher. Mais tellement qu'on est que, il méprise les nègres, il méprise les nègres, il s'est pété d'abord. Surtout, j'ai eu tout le dévot de Boulia. Donc, il connaît que c'est patron nègre, dans la tête, lui. Bon, puis, c'est imbécile qui est bon côté, c'est délinquant, moi, qui bon côté le cap encourager dans ça, faire un acte trivial au niveau international. Et puis, Kounia, il y a un petit peu de temps pour tout le monde qui prend en faute, non, ça a été quoi? Il y a fait bail là. Bail là, il y a des répercussions. Les États-Unis écrit, sénateur Leblanc, dit qu'il y a une délégation déjà, là, il n'y a pas de bail sécurité pour des délégations. Donc, c'est quand on a écrit l'État, c'est fou, c'est fou. C'est menti au tabac. Donc, Garigoni font bail Timoun. Et que Mendo. Parce que un délinquant, c'est qui ça lié? Si un monde qui connaît un bail pas ça, il pose à la quand même contre la loi. Donc, ils font délit. Donc, c'est ça, il fait. Et puis, il met mettre pays à nos problèmes, il n'est pas nécessaire. Alors, parler de délégation, il y a un diplomate Pierre-Antoine Louis. Il nous même fait qu'on est. Là, il y a une activité, ça, dans les Nations Unies. C'est le président directement, il contacté. Et c'est le président qui lui-même connaît qui est là pour déplacer, qui est capable de la délégation. Ça veut dire pas qu'il y a deux délégations. Et c'est là le problème qu'il vient de poser. Les PM n'ont dit lui-même, il n'ont pas une délégation. Alors que. Il fait une délégation, il publie non monde. Même non monde, il t'a aimé. Même non monde, il n'a pas de certitude que le décapitaine de Zabou, il publie. Il va rien faire ça. Alors, il y a des gens qui parlent des coups d'État classiques. Non, ça ne vient pas de coups d'État. Ça, c'est stupidité. Stupidité, bah, il y a des gens qui ont une maladie chef. Mais dans yon fait quoi? Où a fin passé? C'est les Américains qui, ça, c'est dénoncé, monsieur. Parce que c'est le département d'État qui a écrit. Parce que yon connaît ça, monsieur, faire pas ça. Léon écrit le blanc. Je dis, il n'y a pas de assurer la sécurité parce que bon délégation déjà. C'est dénoncer ça qu'on y a fait. Parce que même une situation classique. Yo, ouais, monsieur Fombaye, normal. Yo, même, yo, pas venir mettre tête dans un conflit diplomatique. Yo, averti, sénateur Leblanc, que
y a une délégation qui a baillé sécurité déjà, il y a pas qu'à baillé une autre délégation sécurité. Et automatiquement, il y a réduit ces situations. Et quand il vient proposer, c'est un point où on est gardé dans l'étranger, il veut me d'avouer. C'est pas tout bon. Et vrai, délégation, c'est DLD fait déclaration. Ça, il dit non. C'est le sénateur Leblanc qui est en chef de délégation. Si c'était ça, le problème n'est pas là, j'ai me posé. Il a peut-être fait des arguments, ouais. Et intervenant dit ça. Son bail diplomatique, ils sont bail qui relève de la présidence, point. Alors avant de finir avec la question, ça, il y a plusieurs professionnels dans le domaine qui dit non place conseiller présidentiel, le CCI eux-mêmes. Depuis même semaine, PM n'a tout ministre à faire étranger. Tu as déplacé ou tu as tourné civil? Ce n'est pas PM, non. Il a besoin de parler du ministre. Le ministre va rester dans le travail. Le ministre est un soldat, lui. Il recevra l'ordre de mon lit là pour l'obéir. Tu vas aller connu, ministre. Ce ministre, le ministre en font faute parce que le ministre est un ordre illégal. Connu par un droit en tant que ministre, fait délégation. Maintenant, le ministre te recevra l'ordre, il fait pour aviser la présidence. Mettez l'instruction de recevoir qui ça vous le fait. Parce que affaires étrangères sous responsabilité présidentielle directement. Maintenant, c'est pas ministre. C'est Gary Gouni. Non, il est anormal. Gary Gouni fait voter nous, mon premier ministre, pendant l'autre bois, l'Elvinil, va même être en masse et ici. Justement, le Voltaire, qui font de cas changer, c'est qu'il dit que des têtes vont tomber. Et après que les sorti. Et d'après l'information que nous avons hier, le conseil président de la Téchita, pour être capable de poser question à l'Est Voltaire, pour être capable de dire qui raison, qui cause, stupidité, ça a été fait dans l'Assemblée générale au New York. Et d'après l'information qui recueillit, monsieur a eu deux choix. Ce soir, il a révoqué Mme Dupuy, et, qui s'est mise à faire très ou du moins, comme un dossier qu'on a là, tout on a fait un lobby pour Edgar Leblanc fils, il a décidé par rapport avec le rapport ULCCA pour qu'on sorte, pour qu'il fait Edgar Leblanc continuer comme le président AI pendant 6 mois encore en place, le temps qui était supposé en passer le 7 octobre. Qu'est-ce que vous pensez de demain ça? Écoutez, si vous avez révoqué Mme Dupuy, c'est un acte de lâcheté. Si vous avez révoqué Mme Dupuy, c'est un acte de lâcheté. Parce que Mme Dupuy, par exemple, veut pour continuer pour la faire gros servir ça. C'est connu qui fait des autres là. Si Mounio te gagne, t'es quoi, t'es dans la présidence tout bon. Débat, elle va faire pour t'es dans ni, dans des après les, à l'chita, vient poser question. Il t'es là qui tout simplement nommé un autre premier ministre. Donc, pour y aller, c'est obligé à révoquer madame, non? C'est le premier ministre à faire. Là, nous avons l'autre premier ministre. Et dès que nous avons l'autre premier ministre, le gouvernement est tombé. Et qu'on y a d'accord. Mais la question m'a posé, est-ce qu'il y a quoi à permettre ça? Est-ce qu'il y a quoi à permettre ça? Bon, c'est... non. C'est chargé. Et c'est quand vous m'attendez que mon capti CPTA, est-ce qu'elle va ou pas, oui, non? Avec une présidence dans n'importe qui pays. D'ailleurs, pas besoin de faire qu'une cérémonie pour révoquer les conditions, ils sont arrêtés, ils n'ont pas publié. Et puis, pour tout soutien à faire, ils ont aussi arrêté, il faut tout ministre venir rentrer là-dedans. Ils sont arrêtés. Arrêtés de nomination pour le ministre, sont actes présidentiels liés. Moi-même, comme citoyen, comme politique, comme responsable du parti politique, et comme analyste, si vous avez révoqué Mme Dominique Dupuy pour bagaille ça, c'est un acte de lâcheté. Si vous n'avez pas révoqué le premier ministre, c'est pour vous pas révoquer personne. Ça va pas la blé dit pour que ça soit dit à Séoué. L'autre dit que PM Gary Koni pense que lui soutient tout le monde. Si vous n'avez pas révoqué Gary Koni, il y a un petit poussière. Ça va la blé dit que Gary Koni est au-dessus de conseil là? Non, mais c'est son illusion. Un premier ministre, son monde qui nomme par un arrêté présidentiel. Depuis que vous l'autre arrêté présidentiel, vous avez l'autre premier ministre. Après, un monde qui ou chef ici. Et vous bon blanc à vieux, nous passons à Ariel Henry. Batou dit nous Ariel Henry a tombé quand même. C'est bagay qui gen là. Si, bon, pas qui gen CPTA, lui-même dit qu'il continue à exister. Parce que une faiblesse CPTA tout, c'est que vous commencez à violer les règles dès la première fois que vous rentrez en action. Première règle, vous violez, il a accepté le principe, faire une résolution pour. Yo changer méthode pour yo prendre décision.
Yo te fin pran une décision. C'est 7 yoye. On moun di gon majorité de 4 moun. De pren décision. C'est ce qui était écrit dans l'accord. Yal pran résolution qui pran disposition. Qui constate champion sur l'aigle. Ensuite, yal pran un autre élément de résolution. Yo di que décision a fait par une majorité qualifiée. Or, résolution sa yo, yo successif, yo vin après accord. Yo modifier accord, or CPT a pas de capacité pour le modifier accord parce que accord sont documents qui signent entre les parties prenantes. Donc c'est parce que mettez tête yo non c'est du bagage irrégulier au départ qui fait vinn tomber non plus l'autre bagage irrégulier. À qui ça n'a pas tenu le 7 octobre et on a étudié n'importe tintin. Non, donc la question se pose tout à l'heure, bon on va peut-être parler sur lui. Et bien un peu de monde qui a pris au nez, il voulait pour Edgar le Blanc-Fils continuer en tant que président conseil. Par contre, qui j'ai pour Edgar le Fils et le Blanc-Fils continuer. Puis je lis même ici, il y a un bagage qui dit, c'est président Stounant. Est-ce que vous prenez l'autre résolution pour changer le principe, ça? Non. Donc, nous venons tomber dans des zones. Depuis le bail a monté avec 9, mon homme dit, nous, ça n'a pas besoin de marcher. Donc, quand il y a eu, pas de règles. Donc, chaque matin, on est capable de mettre règle par. Parce que, yo dit, premièrement, pour une décision prendre, faut que c'est, yo 5. Désir, en conclusion. Bon, moi, je pense que, colonel Himmler Ebu, monsieur scientifique, et monsieur, pas été dans le cadre théorie, tout simplement. L'a regardé, ça a pratiqué, et qui ça a porté comme conséquence. Et, yon cadre dans le colonel Himmler Ebu, au cas où il y a tout cadre de problèmes après. Mais capacité, analyse, li. Et dans profession, ou bien elle décide de parler politique, ou besoin de prendre ça, ou prendre temps, ou prendre temps. Mais c'est correct, dans ça qu'elle y essaie d'avancer là, yo. Là, concernant, dès le début, il était déjà violé l'accord politique qui était gagné entre eux. Là, il était décidé de changer, et majorité 4 sur 7 qui était gagné pour devenir 5 sur 7. Il est pratiquement changé ça. Et parler de changement, ou bien Kembe, président Edgar, pour diriger, et président Slan, pour parler dans le président Slan, c'est un autre problème encore, parce que c'était eux-mêmes qui étaient signé ça. Est-ce que vous prenez une autre résolution? Si vous prenez, il faut qu'au public, jusqu'à présent, majorité, monde qui a suivi politique dans le pays, il y a Britain, 7 octobre, puis ouais, est-ce que Smith Augustin, qui est dans scandale, corruption, est-ce qu'elle pourrait arriver comme grand donateur au président, conseil présidentiel de transition? Merci en pile, Désir Venesse, merci en pile, mon frère, on a croisé dans la mi-temps, je n'ai pas les bouchagements, on a croisé mon frère, merci en pile.